Bonjour. Aujourd'hui est un très grand jour. Aujourd'hui, c'est le comeback de Taemin. Si vous me connaissez, vous connaissez forcément Taemin parce que je parle tout le temps de lui. Taemin, c'est pour moi le meilleur artiste de toute l'industrie musicale, tout pays confondu. Il a fait ses débuts en 2008 avec le groupe SHINee et il ressemblait à ça. Et depuis, c'est devenu un artiste complet à la carrière juste éblouissante. Non seulement ses talents en chant et en danse ne sont plus à démontrer, mais en plus, il a son propre style. L'année dernière, il nous a offert 4 solos juste incroyables et 2 albums vraiment magnifiques. We were just two kids, two young girls, oh yeah. En plus de cette activité de groupe avec Super M. Donc je peux vous dire que Taemin a sauvé 2020. Et en 2021, incroyable, il a fait son grand retour avec son groupe d'origine, à savoir SHINee. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour son grand comeback de 2021 qui, malheureusement, à moins que je sois passée à côté d'une information, sera le seul de cette année puisqu'il part à l'armée à la fin du mois. Je suis tristesse. Il est actuellement 10h51. Dans 9 minutes, c'est la grande révélation. En plus, je n'ai regardé aucun des teasers. J'ai vu passer les photoshoots hein, parce que je pouvais pas y échapper. Mais tous les teasers vidéo, j'ai cliqué sur like et je suis vite partie, j'ai vite fermé parce que je voulais pas me spoiler. Mais ça a l'air d'être incroyable, vraiment. Là, franchement, je sens que je ne suis pas prête. En attendant, on va subtiliser dans le décor ce lastique de fortune. Et il faut attendre encore 9 minutes. Don't call me, don't call me. Il est actuellement 10h59. Il ne reste plus qu'une minute. Ça me paraît si long. Alors que pas du tout, mais ça me paraît si long. Du coup, j'ai les pages de SM Town et de SHINee d'ouvert. Je sais pas du tout sur le MV sur laquelle il va sortir. 5, 4, 3, 2, 1. On réactualise les enfants. C'est en ligne. Et je clique. Ah, c'est trop beau ces mains noires. Oh, non. Les faux tatouages, c'est dans le teaser photo que vous avez vu. Ouais. Ces cheveux longs. Sa tenue. Cette veste a l'air magnifique. Trop beau, hein. Ils ont une toute petite arbre, ils sont trop beaux. Oh là là, j'adore, c'est ouf. Je trouve ça
ça reste dans son style. Et en même temps, il y a un glow-up de ouf, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en plus. J'aime vraiment les couplets. Cette démarche, évidemment. Pas un hit les gars, je pète un câble. Oh la Corélie, oh putain. Oh, oh non, c'est terminé. Non, ça peut pas terminer. Non. Oh là 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 là. Je suis en PLS les gars, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Comme je disais pendant la MV, j'ai l'impression qu'il a apporté un truc nouveau qu'il avait pas avant. Enfin, les couplets sont un peu différents de ce qu'il fait d'habitude, je trouve. C'est franchement, je suis vraiment vraiment trop contente de ce comeback là dès la première écoute. Bon bah évidemment c'est un coup de cœur. Visuellement c'est magnifique, les décors sont magnifiques, les tenues. Je crois que j'ai jamais eu autant de coups de cœur. Enfin là de ce que du peu que j'ai vu en plus sur des tenues dans un de ces MV. J'aime bien ces tenues, mais j'ai pas forcément toujours des gros coups de cœur. Et là j'ai vu plein de trucs où je suis oh my god, il faut que je le dessine. Et je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais du coup j'ai une tablette graphique depuis quelques semaines. Ce serait vraiment trop chouette que Taemin soit mon premier dessin, pas inspiré d'autres dessins, mais vraiment mon premier dessin à moi sur la tablette. Franchement je... Je suis pas forcément très bonne pour faire les reactions ou pour les décrire, mais je sais que pour Taemin, enfin je suis obligée de faire ce genre de vidéo. Je vais me revoir le clip tout de suite parce que j'ai raté énormément de choses. Et puis c'est vrai que à la première découverte, à chaque fois je suis là oh oh oh, je sais pas du tout où regarder. Et franchement c'est trop trop beau, je suis vraiment hyper contente, hyper hypée. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre meilleur comeback de 2021? C'est très très bizarre de se dire que pendant 2 ans on va pas le voir. Mais bon, je pense qu'il a grave mérité sa pause de l'industrie musicale, parce que le pauvre, je pense qu'il a été beaucoup sollicité, qu'il nous a fait des comebacks sans arrêt, et je pense qu'il doit être fatigué. Et que faire une pause, ça va lui faire du bien. J'ai très très hâte déjà qu'il revienne, même s'il est pas déjà encore parti. Voilà, je suis complètement chamboulée, il faut que je me revoie ce MV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Saranye popom, bye bye.